Salut les amis. Cette semaine, on vous partage un épisode sur la péninsule de Bouche. On a été voir un endroit incroyable en Ontario. C'est très connu et on a plus ou moins aimé. Oh, j'ai aimé, mais bon, après, il y a beaucoup de monde. Après, on a changé de cap et on a fait une petite destination surprise et on vous montre ça dans cet épisode. Mais en attendant, si vous nous rejoignez, on est une famille de 5 qui voyageons depuis début juillet en tour du monde. On a commencé avec notre VR et après, on prend un sac à dos pour faire le tour du monde. Rejoignez-nous dans nos aventures. Bonne vidéo. Bonne vidéo. Bien arrivé à l'emplacement du lac si près dans la péninsule de Bruce. Donc on a un emplacement à travers la forêt, quand même un petit peu de moustiques, donc on s'est tous couverts à fond. On a remis de l'anti-moustique et on a eu aussi surtout la formation qu'il ne faut rien laisser dehors de nourriture quand on n'est pas là, et la nuit, pas de poubelle, rien en extérieur, rien de choses qui peuvent sentir. Donc même l'anti-moustique, va falloir le ranger parce qu'il peut y avoir des ours, notamment. Voilà. Alors, après s'être fait manger par les moustiques en arrivant, on a lancé un petit feu et des spirales. On ne sait pas si ça marchait. Non. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Je pense que c'est un remède de grand-mère qui ne marche pas. Mais on ne sait jamais. Ces petits trucs-là qu'on fait cramer. Plus le feu de camp. Ça fait un petit peu fuir les moustiques. Là, donc on danse des hot dogs. On a plugué bébé devant la télé parce qu'il devenait un petit peu tannant, comme on dit. Et on va manger des petits hot dogs ce soir. Ouais. Avec une glace en dessert. Yeah. Ouais. Après les hot dogs, le classique s'more. Donc là, on a pris un petit kit au magasin. On peut aussi le faire sans kit. Mais là, on trouvait ça limite moins de place parce que ça prend une place de fou là, les chamallows dans les placards. Donc là, on a pris un petit kit et en plus c'est une version aéro. Donc aéro, c'est des petits biscuits avec une sorte de des petits chocolats avec des biscuits un peu aérés à l'intérieur. On va voir si c'est bon. Les filles, s'mores aéro? Oui. Donc qu'est-ce qu'il y a dans les s'mores? Attends, je vais vous montrer ça. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le kit? Alors d'abord, les barres de chocolat aéro. Il y en a 3. On va aller loin. Les petits chamallows, bien sûr. Ah, il y a un 4e petit biscuit. Et les gâteaux. Donc, c'est des gâteaux, on appelle ça les gâteaux Grahams, je crois. Ce genre de petits biscuits. Ils appellent ça des crackers, mais on pourrait mettre aussi des biscuits au beurre type petit lu. Un carré de chocolat et des chamallows. Des marshmallows. Et donc le principe, c'est de cuire, vous savez, le chamallow au feu, de mettre entre chaque biscuit un petit carré de chocolat, de glisser le chamallow tout fondant à l'intérieur et le chocolat va fondre dans le biscuit et vous allez manger ça. Donc ça va donner un biscuit super fondant comme ça. Donc on va tester ça ce soir. On a un beau feu, il est encore en vie le feu. On n'a pas trouvé les chaussons. Si, on a trouvé les chaussons. Et on va faire ça là. Nous, on utilise des pics à saucisses extendables, extendable. I'm full English, so I'm lost. Télescopique, on me dit la petite voix à droite. Donc, bon, je ne vous le télescope pas parce que j'ai qu'une main et de l'autre, je le tiens. On va mettre les chamallows dessus. Après l'étape où on pique le chamallow sur le bord, on le met au plus près des braises, pas des feux. Attention, alors là, tous les bons campeurs le savent, on ne crame pas un chamallow. On essaye de le faire fondre au mieux, mais là, une chance sur deux que ça ne marche pas. Et s'il brûle, qu'est-ce qu'on fait? S'il brûle, on ne le secoue pas. On essaye de le mettre discrètement dans le feu.
ça va coller bien, mais au moins on n'aura pas cramé tout le voisinage. Petite balade au bord de l'eau pour voir le coucher de soleil qui est déjà tout parti là. Vous avez pu le voir juste avant. C'est super beau. On était juste à l'instant quand on est arrivé. Il y avait plein de gens sur le bord. Il y avait plein de gens qui regardaient aussi au même endroit le coucher de soleil. Là c'est le lac et demain on va voir une autre partie, un autre lac. C'est parti, ce matin on prend la direction de la péninsule de Brousse, on est dans le parc actuellement. Il est vraiment pas tôt parce qu'on s'est levé à 9h ce matin, c'était pas prévu. Bref, et il doit être sur les coups de 11h30, de 10h30, 11h. Et on va prendre le sentier les sorties de la baie géorgienne et on espère voir le gros taux au bout. Il y a une petite partie accidentée donc je ne sais pas si on pourra y aller avec bébé qui est là actuellement dans le dos. Et c'est parti pour 3 km, go! Vas-y, ce que t'as dit Olivier. Impatient de voir avec Aurore l'eau turquoise là, parce qu'on s'est tapé 5 heures de route depuis Niagara Falls et on n'a encore pas vu la fameuse eau turquoise de péninsule de Brousse. On a vu juste un lac mais j'ai l'impression d'être à Mont-Tremblant donc j'ai hâte de voir cette eau turquoise translucide cristalline, bref Évian. Évian. On a hâte. Allez go. Bon, ça descend un peu plus, on a passé les toilettes. C'est un petit point sur la carte. Je dis ça parce qu'Olivier lui dit bah, c'est pas beau. Ici, c'était un c'est le repère d'or. Les sentiers. Après, ça descend un peu plus pour aller sur le coteau. Là, c'est moins accessible pour les poussettes. Moi, je dis poussettes, mais le sentier, c'est quand même de la gravelle. Hein. Ouais. Je suis venu avec une poussette avec des grosses roues. Là, des 4 roues motrices. 4 roues motrices. Je suis en train de me dire que j'étais loin du micro. Oui, tu vois. Ok, tout ça pour dire que ça redescendait là après les toilettes, ça va vers l'eau. Et nous, on va descendre. On voit l'eau là-bas. T'as l'eau, c'est ouf. C'est pas en Corse, quoi. Avec autant de monde. Bon, Instagram vs la réalité. Beaucoup de monde. Ah, c'est dommage. Ouais, vous avez vu là, c'est blindé. Mais on s'y attendait. On va essayer d'aller là quand même. Un petit peu au bord pour voir l'eau, histoire de dire. Puis voir l'anse et l'arche. Vous voyez le chemin à partir de ce moment-là, là c'est des choses comme ça. Vraiment sur le bord de la falaise. Donc avec les enfants, on n'est jamais rassurés. Bon, nous on va rebrousser chemin après avoir vu un endroit superbe. C'est vraiment très escarpé. Les gens me font peur à aller sur le bord de la falaise. Et on va se rentrer et on va grignoter à la maison. Donc ça là, ici, c'est ce qu'on appelle un pic-bois et non pas un pivert. C'est pas exactement la même variété. Ils font des trous de ouf là. On a entendu un tout à l'heure. Regarde. Oh waouh! On entendait tout à l'heure, j'essayais de capter avec la caméra et il l'a pas refait, ça fait tout, 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 tout. On l'entend bien, hein, ça résonne dans le bois. C'était une petite marche bien sympa, moi j'ai bien aimé. Oui, j'essaye de te mettre dans le champ. Ouais, beaucoup facile. Quand même, mais sympa. Oh mon dieu, oui. On s'attendait à du monde, mais là, oubliez les photos Instagrammables. On voilà. A peu de chance non plus, je pense qu'on a eu un quart de touristes. Hindou, qui font beaucoup de bruit. Ça nous a plombé le paysage, mais ils sont vite partis, donc on a pu profiter quand même de la belle eau. Voilà. Bon, en tout cas, on va en
Petit changement de plan pour l'après-midi, on a pris la direction de Sobel Beach où on espère en fin de compte passer la soirée. On avait un autre terre ego bien plus loin dans les terres et on va voir si on arrive à trouver un camping pour ce soir. Il y a beaucoup de monde déjà là, je pense que c'est une grosse station balnéaire du coin en Ontario. Là je vois un camping, family only vacation, c'est-à-dire quoi ça nous notre anglais. On va aller voir la plage, si on peut s'assiner et est-ce qu'on regarde les campings avant? Ça fait quoi? On regarde les campings avant, mais lui il était pas loin, 400 mètres. Oui, on va aller voir ça. Voilà. Il y a plein de petites rues parallèles et on se faisait la réflexion si on se croirait à la boule, on connaît bien le coin. Et là il y a plein de petites rues, des, pas des ruelles mais des rues traversantes où les gens ils vont tous à pied avec leur bouée et leur, leur maillot de bain direct. Bref, ils marchent même au milieu de la route, c'est magnifique. Alors qu'il y a des trottoirs. Bon, j'ai une place. On est rendu dans un camping, on sait même pas le nom, on est à pas loin de la mer. C'est tout droit Olivier. C'est immense, j'ai vu la carte, tu verrais, c'est ça. Ouais. C'est old school, les gens ils ont, bref, des coiffures américaines. C'est un camping familial, il y a une piscine, tout ça apparemment, une piscine intérieure. Mais on est à côté de la plage, donc on va y aller. On va se préparer bien, on va prendre le chariot et puis on va tous y aller. Camping pas mal familial, hein. Il y a des gens à l'année, immense. C'est clair. Immense, c'est bien entretenu, ça dépote là-dedans. Le magasin là, comme back dans les années 70. Trop bizarre. Trou là. C'est vrai? Ouais. Ok. Bah là tu sais au moins ce que tu payes. On est avec des maisons mobiles. Ah ok, pas mal. C'est pas grave, au moins ça va être calme. Ah bah, regarde, c'est bon tout. Si on fait du vélo. On est entouré de maisons mobiles. C'est un lotissement le truc. Un vrai lotissement. C'est... Ouais. Tu veux que je te guide? Alors pousse trop au machin, hein. Même la vidange. Il faudrait que quelqu'un soit derrière. Bon, on est installé à un emplacement incroyable parce qu'on est, on est entouré de mini maisons. Et du coup, on prend la direction de la plage. Apparemment, elle est pas très loin. Bébé est déjà prêt. Les filles ont mis leur maillot de bain. Nous aussi. Ça, c'est cool. C'était pas un truc prévu dans le parcours de base. Donc là, on va en profiter. Go! Cute hein, les petites maisons de plage. J'adore. Une maison maman? Non, mais quand même. Je peux sécuriser? C'est une petite maison de plage. Ouais. Ouais, j'aime bien ce genre de maison. Là. Ouais. Décor, lifestyle. Dans une rue parallèle et la rue principale dans, sur le côté là avait l'air super sympa, tout ce que j'adore. Autre chose que j'ai remarqué ici, c'est assez drôle, c'est que leurs poubelles, ils mettent ça dans des boîtes fermées, transparentes ou alors fermées tout court. Ils mettent un petit panneau où c'est écrit yes or no pour dire qu'il y a des poubelles. Comme ça ils se font pas écharper leur, leur sac par les animaux. Ça c'est cool. Oh my god, ça me rappelle des souvenirs ça Olivier. Oh my god, on avait ça quand on était jeune. Enfin moi j'ai mis ça, j'ai toujours trouvé ça très moche. Je sais pas trop ce que c'est pour faire un style surfeur. T'as eu ça toi? T'étais un look surfeur? Ouais, bah vivant en bord de la plage ouais, un peu. T'avais pas le choix. T'as eu les cheveux blonds le collier en bois, la rat de cou. Yes. Avec la dent de requin. Non, pas la dent de requin. Ah, presque alors. Le collier sans la dent de requin, le poncho, le bouc, wow. Les cheveux décolorés, wow. Le bandana. Ok, on achète ça pour aller dans le verre. Hey, on est arrivé. Sable Beach, ici. C'est fou, les voitures, ils vont quasiment sur la plage, là. Il y a un parking municipal, ils vont jusqu'ici, quoi. On aurait pu venir avec le verre, on aurait, ce serait changé, là. Pas qu'à l'heure où on est venu, il y aura encore de la place, mais ouais. Le matin, ouais. Tu viens, il n'y a personne. C'est clair. Tu te mets là pour la journée. Allez, Zou, on va essayer de trouver une petite place parce que bon, il y a du monde. Oui.
côté beauf de la plage. Ouais, hein. On est perdu. Pourtant, je viens de retrouver le côté beauf, populaire. La musique, les chiens, les vélos. Les vélos. Les gosses. Ouais, hein. Pas de gosses. Regarde. Les vieux avec leurs chaises. Ouais. Parasol un peu délavé par là. Bon, nous on est rendu à la plage, on a trouvé un joli petit spot ici. Il y avait beaucoup moins de monde que là-bas à l'entrée. Et regardez la plage, elle est incroyable. Ça c'est le lac Ontario qui est vraiment immense. Et là la plage, elle va vraiment très très loin. C'est une belle plage de sable fin. C'est une station balnéaire en fait, c'est à Ball Beach. Et on est content d'avoir fait le détour. Bon, c'est bon, on a fini notre petite pause à la plage. Il faisait beau, pas trop chaud, ça se finit avec du vent, donc les filles avaient froid. Faire un petit tour dans le centre-ville. Et après, on va rentrer au camping. Ouais. C'est des chaussures de plage, même pour les adultes. Ça y est, on a trouvé le June Hotel. Enfin le vrai de la télé, après avoir vu l'autre. Celui-ci, c'est le vrai. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la petite maison, de la piscine, du panneau et du restaurant. Donc là, on n'ira pas dormir ici parce que j'avais vu que les prix étaient assez chers. C'est vraiment cute. Ça paraît plus grand sur les vidéos. Hein.